Bonjour à tous, vous êtes toujours avec le Gratteur Fou. Moi là je vais essayer un jeu qui s'appelle le Book of Classic, Book of Gold Classic, pardon. Alors je pars donc avec la super balance restante du précédent jeu, 8282 euros. Franchement, deux parties précédentes, c'était de la super chance. Donc comme on dit jamais 203, on va donc essayer de voir si on peut bénéficier du facteur chance avec ce jeu Book of Gold Classic. Alors voyons voir. Allez, je vais mettre des mises à 20. Allez, c'est parti. Alors, générosité ou pas générosité? Alors, pour le moment, pas grand-chose. Ok, même vraiment pas grand chose. À vrai dire, que dalle. Alors, est-ce que ça cachera un super win? Ok, win 40 ici. Ok, pour le moment c'est pas terrible. Alors est-ce que ça cachera un super big win à venir? Ok, un peu hallucinant, un nombre de parties vraiment impressionnant avec zéro gain. Voilà, il y a eu un petit win à 10 tout à l'heure. Alors win 20. Allez, je vais tester de l'arrêt de rouleau manuel pour voir. Hop, gain 10. Donc apparemment, c'est le symbole bonus. Alors, toujours pas grand-chose. Ok, bah moralité, j'aurais peut-être dû choisir un autre jeu. Enfin, je dis ça maintenant, mais peut-être qu'il va y avoir un super win tout à l'heure. Alors, ça arrive avec des machines à sous que pendant un moment ça paye que dalle, puis des fois, comme par miracle, il y a un super win. Voilà, ça semble un peu mal barré quand même. Alors, ok, 80 euros, premier win un peu intéressant. Allez, re-arrêt de rouleau, hop. Alors, win 70. Allez, encore un petit arrêt. Win 50, ok. C'est pas des wins vraiment énormes car les mises sont à 20. Bon, bah, je sens que ce jeu il va mettre une bonne claque à la balance quand même. Là, apparemment, c'est bien parti pour. Alors, ce cher Book of Gold classique, je pense qu'il est parti. Ah, Win 210, pas mal. Je me disais, ça y est, il est parti pour bouffer, pour grignoter les bénéfices de jeu précédents.
Alors, on aura déjà eu au moins un win supérieur à 200 euros. Bon, c'est pas grand-chose. Après tout, 200 euros, c'est 10 parties à 20 euros. Donc, avec de telles mises pour les parties, on peut pas dire que c'est un super lot énorme. Gagner 200 avec des mises à 20, ça en revient à gagner 20 euros avec des mises à 2. Alors, eh ben non, j'ai presque cru. Alors, win 90. Alors, solde 7282. J'avais commencé à 8282. Donc, ben, y a déjà 1000 balles de grignoter par ce jeu, le Book of Gold classique. Alors, est-ce qu'on va pouvoir renverser la situation? Ok, bon, mais je crois que c'est mal barré. Bon, mais je pense que le Book of Gold Classic, c'est pas un jeu que je retesterai dans pas longtemps. Je veux dire, ce sera plutôt à mettre de côté. Alors, Win 80. Allez hop, arrêt de rouleau manuel. Pas grand chose. Il y a quand même quelques lots réguliers apparemment, mais il y a aussi des longues séries de parties perdantes. Donc, qui dit longue série de parties perdantes à 20 euros la partie, dit une bonne claque pour la balance. Alors, toujours un intéressant. Ah, 210, ok. Deuxième win supérieur à 200 euros. Bon, bah quand même, sacré coup de bol sur les deux parties précédentes. Il va pas falloir que les jeux suivants, c'est-à-dire celui-là et les autres à venir, rebouffent. Ce que les deux parties précédentes ont filé. Là, ça foutrait vraiment les boules. Bon, bah, apparemment, pas moyen de gagner un gros truc avec ce jeu. Alors, arrêt de rouleau, hop. Eh ben non, pas de troisième symbole. Alors, crédit 7012. Ça y est, on passe en dessous de la barre des 7000. Bon, ben, je pense que je vais encore faire quelques parties, mais je vais quand même pas m'éterniser sur ce jeu. Voilà, ça fait quand même un moment que je joue, disons que le cycle du jeu il a quand même bien tourné. Bon, c'est pas pour ça qu'il y a du big win qui arrive. Ah, win 220, ok, troisième win supérieur à 200. Donc apparemment, de temps en temps, ce jeu il file des wins supérieurs à 200, mais entre-temps, encore un, ok. J'allais dire entre-temps, il y a des gros creux de parties perdantes, mais bon. Peut-être que le jeu va se mettre en mode je me réveille niveau paiement.
Alors, solde 7052, moi je pense que je vais pas tarder à arrêter la partie. Bon, pas vraiment de chance. Ah, moi qui disais pas vraiment de chance, franchement. Je commence un peu à désespérer. Alors, félicitations, vous avez gagné 10 tours gratuits. Ouais, quand même, il était temps après une éternité de partie qui payait pas grand chose. Alors, choix de symbole spécial extension, ok. Alors, espérons que ce soit des free spins quand même généreux. Free spin 3 sur 10. Donc, on a failli regagner un round de free spin en plus. Ah, alors. Ah, bah quand même, il était temps. Alors, gain 160. Alors, tour 8 sur 10, 9 sur 10. Bon, bah 210 euros de gagné au free spin. Bon, bah j'aurais éventuellement espéré mieux, mais bon, on va quand même pas se plaindre. On a eu au moins une partie bonus et on aura quand même l'occasion de voir à quoi ça ressemble. Alors, je disais, j'avais commencé à 8282, là je suis à 7192. Ça fait quand même une perte de plus de 1000 euros, mais bon, fallait quand même tester ce cher jeu au bonheur la chance, ou ça paye pas. Bon, mais là en l'occurrence, ça n'a pas payé grand-chose. Bon, et donc, fin de partie 7192, je vais donc garder ce montant pour tester d'autres jeux en espérant bien sûr qui sont un petit peu plus généreux, car celui-là, il était franchement pas très généreux, hein. Des petits 200 euros par-ci par-là, mais franchement, pour des mises à 20 euros la mise, c'est pas super bien payé. Bon, ouais, sur ce, les amis, je vous quitte donc ici sur cette fin partie de Free Spin. Je vous dis à très bientôt pour des prochaines sessions de jeu avec le Gratteur Fou. Allez, la bise à tous, bonne journée.